Bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, j'aurai deux invités avec moi pour parler du service budgétaire de Maria Chapdelaine, qui englobe aussi le Centre d'action bénévole. On parlera un petit peu plus tard à Nadia Dallaire, qui est formatrice et consultante budgétaire. Mais pour l'instant, j'ai la directrice avec moi, Mme Sarah Verrou. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien. Super, contente de vous recevoir pour démystifier ensemble qu'est-ce que c'est que ces deux organismes qui sont en fait, qui n'en sont qu'un seul. On va dire pour l'instant, on a un seule entité, mais éventuellement, à moyen terme, on va devenir deux entités différentes. Voilà. Donc, on parlera un petit peu des deux là, ensemble avant de parler des formations en particulier avec Nadia. Donc, tout d'abord, si on veut expliquer aux gens que si c'est la première fois qu'ils entendent ça, c'est quoi le service budgétaire? Le service budgétaire est un organisme qui existe premièrement depuis 1986, donc ce n'est pas un jeune organisme. Mm-hmm. Le but du service budgétaire, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens ayant des difficultés financières par divers services. Et là, on va pouvoir aller voir un petit peu plus en détail quels sont ces services, parce qu'il y en a plusieurs. Exactement. On pourra y aller avec la première chose, la consultation budgétaire, des rencontres individuelles. On regarde les revenus, les dépenses, on regarde les rapports d'impôts s'ils ont été faits, comment ils ont été faits, s'ils ont accès à tout. On peut regarder des programmes genre allocation logement pour les gens à plus faible revenu. Au niveau des aînés, crédit de maintien à domicile, on s'assure qu'ils ont droit à, qu'ils ont droit à tout ça. Le service budgétaire, on est là pour aider les gens qui ont des difficultés financières, mais aussi les gens qui voudraient faire un achat important. Mmh. On pourrait parler d'une consultation budgétaire, quelqu'un qui voudrait s'acheter une maison, changer son auto. En ai-je vraiment les moyens? Est-ce que je suis capable de le faire sans toucher à mon épargne? Comment puis-je le faire? Donc, la consultation budgétaire. Oui, parce que des fois, quand on fait ces gros achats-là pour la première fois, tu sais, on va aller voir une institution financière, pas qu'ils sont biaisés, mais tu sais, c'est quand même avec eux qu'on fait affaire. Donc, tu sais, peut-être d'aller voir quelqu'un qui est neutre à travers tout ça et à qui on ne sera pas gêné de poser des questions aussi, hein, parce qu'il ne faut pas avoir honte de ne pas tout savoir sur ce qui est budget, là. Effectivement, effectivement. Puis, tu as noté qu'on n'est pas des conseillers financiers. Mm-hmm. Un conseiller financier va parler d'épargne, il va parler de taux d'intérêt, il va parler de diverses choses. Mais nous, on est vraiment des consultants budgétaire, on garde le budget, puis on propose des solutions à l'endettement. Donc, c'est deux travaux complètement différents. Et pas obligé d'avoir des problèmes financiers là, pour s'informer. Exactement. Des fois, on veut juste savoir où avoir notre argent. Mm-hmm. C'est une clientèle qu'on a peu et qu'on aimerait beaucoup avoir. On parle des travailleurs mi-vingtaine, aller à 50. Peut-être, là, les travailleurs, on travaille, puis on gagne des sous, mais où ils vont? Ouais. Donc, mieux être capable d'identifier, trouver des moyens pour identifier, ce serait quelque chose d'intéressant. Puis on sait qu'avec tout ce qui se passe, bien, qu'il y en a qui ont peut-être utilisé le crédit à outrance. Donc, ça serait intéressant de les voir aussi pour pouvoir les aider. Bien oui, j'imagine que dans les dernières années, avec la crise sanitaire, ça a brassé pas mal de choses au niveau du budget. Oui, on a vu beaucoup de choses des gens qui ont reçu de la PCU. Ouais. On en a vu quelques-uns des PCU qui n'avaient pas le droit. On ne connaît pas toutes les mesures pour recouvrer cet argent-là pour les gens qui n'ont pas le droit. Mais éventuellement, je crois que l'argent va être réclamé. Donc, oui, mais il y a des gens qui avaient droit. Quelque chose qui vient d'apparaître aussi, des gens qui ont demandé de l'assurance-emploi et qui n'ont pas accès parce qu'ils ont été fraudés. Donc, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dernièrement. Alors, c'est plutôt nouveau. Mais à suivre, donc, on travaille avec nos collaborateurs et, c'est sûr, le député. Et là, à part y aller directement dans ces questions-là, dans le budget, il y a d'autres services aussi là, que vous offrez. Oui, effectivement. Effectivement, la médiation auprès des créanciers. Mm-hmm. Des fois, ça peut être juste, tu ne t'entends pas avec ton propriétaire. Donc, on peut faire de la médiation avec ton propriétaire. Une compagnie de télécommunications. Des fois, je veux prendre une entente ou je ne comprends pas bien les services. Ou on le voit avec les aînés. Ce matin, on a eu une dame aînée. Qui a signé malgré elle, on va dire ça comme ça, un contrat de télécommunication, qui n'est pas capable d'utiliser le service. Mm. Donc, des fois, des 24 mois, ça peut être long. Donc, on est là pour les accompagner. J'utilise le terme médiation, mais des fois, ce n'est pas tout à fait de médiation. Puis, Hydro-Québec. Hydro-Québec, ça arrive des fois que les gens montent des factures assez énormes. OK. On peut parler des 2000, 3000, même un petit peu plus. Donc, pour les gens à faible revenu, on n'est plus capable de prendre des ententes sous la consommation réelle. Puis là, je vais préciser, pour les personnes à faible revenu, des ententes sous la consommation. Ce que je veux dire, normalement, la facture d'Hydro-Québec coûterait 200 $ par mois. Bien,
on pourrait peut-être prendre une entente à 150 $ par mois. OK. Si, bon, j'imagine qu'il faut répondre à toutes sortes de critères. Exactement. Là. Quand on parle de gens à faible revenu, on parle de... Parce qu'on parlait de la pandémie, tout ça. En 2 ans, le coût de la vie a changé assez drastiquement. Effectivement, ça a un impact au niveau des gens à faible revenu. On le voit dans leur budget. Faire équilibrer la nourriture, juste le coût de la nourriture. Oui. Si on se fait un chiffre, on va y aller en chiffrant. On parle de 25 à 35 du revenu qui toucherait de l'alimentation. Donc, sur un budget de 1 000 c'est 250 à 350 $ pour un panier d'épicerie. On se regarde tous les deux pour faire... C'est beaucoup. Ben, 350 $ si tu gagnes 1 000 pour, admettons, 2 personnes, on va être prestataire d'aide sociale. Et là, ça, c'est par mois, mettons? Oui. Oui, effectivement. Tu sais, pour manger pendant un mois... 350 $. C'est rendu que tu n'as plus grand-chose. Hein? Effectivement. Bon, on va au marché, puis on a juste simplement un petit panier pour 100 $. Fait que, ben oui, il y en a que ça coûte ça par semaine pour 4 personnes. Tu es quasiment rendu à ça, là. Effectivement. Donc, oui. Oui, la hausse de la vie... Pareil pour tout le monde et encore plus pour les gens à faible revenu. Oui, puis tu sais, il y a peut-être des gens aussi qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû changer d'emploi et donc dont les revenus ont changé et là, on essaie de s'adapter. Puis tu sais, des fois, on parlait tantôt de faire de la médiation avec des créanciers. Quand tu n'es pas habitué de te faire appeler, mettons, tous les jours par ta compagnie téléphonique parce que là, tu n'as pas pu payer, ça peut être tellement stressant que là, on ne répond plus, puis là, le problème grossit. Le problème s'aggrave, effectivement. Effectivement. Donc, il y a des solutions aussi à l'endettement. Tu sais, faire faillite, c'est gros, mais il y avait un syndic lorsque j'ai commencé à travailler, il disait « À la naissance, tu as ton nom, donc tu perds pas ton nom avec une faillite. » Voilà. C'était tellement bien dit, ça rassurait les gens. Mais, oui. Puis c'est pas parce que tu as une maison que tu peux pas faire une faillite pour les cartes de crédit. Mais là, je vois un petit peu plus loin, mais c'est vraiment le travail du syndic encore là, mais on peut accompagner les gens chez le syndic. Ça fait partie de notre travail. De faire l'intermédiaire, poser des questions, regarder le client. Donc, Mais être là à travers les étapes, tu sais, justement, avoir une petite présence, que bon, je suis pas toute seule là-dedans, puis si j'ai des questions, parce que des fois, on est gêné de poser des questions, puis après ça, on n'a pas bien compris, puis là, on se sent niaiseux, puis là, tu sais, dans le fond. On... Parce que le monsieur comptable avec une cravate, des fois, il était C'était intimidant. Oui, effectivement. Donc, on est vraiment là pour faire la médiation entre les deux, pour accompagner la personne, la rassurer. Puis là, faut pas avoir peur, parce que c'est pas juste des gens qui ont peu de revenus, qui font des faillites ou qui ont beaucoup de revenus, c'est des gens qui ont eu des difficultés financières. Voilà. Je le ramène demain, c'est des gens qui ont eu des difficultés. Mm-hmm. Pour X, ça peut être, tu sais, on parle de la COVID, mais on parle de la maladie. On peut parler d'un décès d'un proche. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut faire faillite. C'est un événement X dans notre vie qui le fait. Bien, c'est ça. Puis il ne faut pas avoir honte de ça puis cacher le problème non plus. Là, fait que vous pouvez aider les gens par où est-ce qu'on le prend, ce problème-là. Puis exactement. Puis jadis, dans le passé, c'était publié dans les journaux. Et maintenant, regardez, vous n'en verrez plus. Non. Non, c'est sûr. Puis autre chose qui peut être stressant aussi, c'est les fameux impôts. Oui, la période qui approche à grands pas. Qui s'en vient. Donc oui, effectivement, les rapports d'impôts... Plusieurs personnes même ne les ont pas fait en 2020-2021. Mm-hmm. Donc, présentement, on est dans les rapports d'impôts 2020, donc il y a des gens qui ont reçu des lettres, les rapports d'impôts n'étaient pas faits. Donc, oui, effectivement, apprendre à tout connaître les crédits. Puis même si ce ne serait pas nous qui fait les rapports d'impôts, là, parce qu'on offre la clientèle via le programme des bénévoles pour les gens à faible revenu, mm-hmm. on est capable de vous accompagner, de vous donner des petits cues, de poser des questions, de vous renseigner crédit remboursable, crédit non remboursable, c'est quoi la différence? Les frais médicaux, qu'est-ce que j'embarque si je me déplace à Saguenay pour aller voir un orthopédiste ou peu importe? Est-ce que je peux mettre ça sur ma déclaration d'impôt? Donc, on peut vous aider, vous accompagner, vous informer. Oui, puis ça, c'est précieux. Des fois, la petite information qui va faire en sorte que je pourrais demander ce crédit-là, je le faisais pas, mais c'est de l'argent qui nous revient. Là, effectivement, puis ça peut être rétroactif de quelques années. Puis pour les gens à faible revenu, le crédit de solidarité, le crédit de solidarité anciennement TVQ, c'est important de le dire. Puis dernièrement, les gens ont eu un 200 $. Oui. Donc, c'était les gens qui recevaient le crédit de solidarité. Puis le crédit de solidarité, encore là, il y a toute une variété. Il y a la partie TVQ pour la base, puis la partie logement, puis une partie si tu habites seul. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs critères différents au niveau de... Donc, vous pouvez apporter de l'information aussi là, sur ce qui est ça. Puis justement, parlant d'apporter de l'information, un autre service que vous donnez beaucoup, c'est de la formation.
Effectivement. Donc, Nadia va vous en jaser plus tantôt. Mm-hmm. Mais il y a une panoplie de formations. Et si jamais il y aurait des gens qui auraient des idées, qui voudraient nous contacter, ou on peut s'adapter puis informer la population. Vous allez pouvoir aider aussi certaines personnes à la rédaction de certains documents. Effectivement. Effectivement. Oui. Les gens croient que c'est simple, c'est facile. À mes débuts, voilà, presque 20 ans, on va dire ça comme ça, il y a un monsieur qui est arrivé dans mon bureau et, bien honnêtement, le monsieur me présente une facture d'une compagnie. Puis là, je dis, c'est votre facture. Puis moi, dans ma tête, il n'y a pas personne qui ne sait pas lire, mais le monsieur ne comprenait pas sa facture. Donc, ça fait partie du travail qu'on fait d'accompagner les gens. Puis un autre monsieur qui était un... Il écrivait des lettres d'amour, puis il nous les faisait écrire. Il nous dictait la lettre. Ben là! Oui. Mais c'est bien cute. Oui, effectivement, ça fait partie du petit travail qu'on fait qui peuvent changer la vie d'une personne. Donc, on invite vraiment les gens à aller consulter vos nombreux services. Puis à travers ça aussi, il y a le Centre d'action bénévole, dont vous êtes aussi la directrice. Effectivement, le Centre d'action bénévole est un volet chez nous. C'est un besoin de la population. En 2014, on a eu le projet Urgent besoin de bénévoles. Dans l'ensemble du Québec, il y a des centres d'action bénévole qui regroupent plusieurs municipalités, plusieurs localités. Mm-hmm. Dans la MRC Maria-Chapdelaine, c'est un petit peu différent. Il y a un comité de bénévoles ou quelque chose qui ressemble dans chaque localité, mais rien qui regroupait. Ça, donc, on a étudié, on a posé des questions aux gens, à la population. On est allé voir les comités de bénévoles pour savoir s'il y avait des besoins. Donc, c'est avéré que oui. Puis au niveau des regroupements d'organismes, etc., ils ont dit que celui qui allait être accrédité par la Fédération des centres d'action bénévole serait reconnu le centre d'action bénévole de la MRC Maria-Chapdelaine. OK. Donc, en 2018, automne 2018, on a reçu l'accréditation officielle du centre d'action bénévole. Donc, depuis ce temps, on est reconnu par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. C'est important, donc, puis je vais réinciter, on travaille en collaboration, on n'est pas là pour défaire ce qui se fait dans le milieu. Mmh. On peut aider à la formation des bénévoles, au jumelage. Donc, on est là vraiment, vraiment pour travailler avec. Puis, on ne veut pas voler les bénévoles de personne, puis on ne veut pas les prendre, mais s'ils ont besoin de formation ou s'il y a des nouveaux besoins, on est là pour ça. Exactement. Puis, il n'y a rien qui empêche qu'une personne peut être bénévole des fois à deux places. Là. Effectivement. Pour... On pense souvent que l'implication bénévole, ça peut être à toutes les semaines, 4 heures ou quelque chose du genre. Mais, tu sais, je sais que durant l'année, X, c'est plus plate un petit peu pour moi. Donc, je peux donner du temps. J'ai une bénévole impôt chez nous, okay. Une dame retraitée. Cette dame-là, après les fêtes, c'est tranquille. L'hiver, elle sort moins un petit peu, donc elle fait des déclarations d'impôts chez nous avec le programme des bénévoles. Donc, c'est elle super. A trouvé son bénévolat au moment où c'était opportun. Pour les plus jeunes, bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose aussi à faire. Puis, ça peut être du bénévolat occasionnel, c'est pas obligé d'être à toutes les semaines, puis c'est pas obligé d'être nécessairement en conseil d'administration si ça nous intéresse pas. On a les appels d'amitié chez nous, les bonjour, bonsoir quotidiens. Donc, l'appel d'amitié, c'est un appel X fois par semaine ou X fois aux 2 semaines. Tu appelles une personne qui a besoin, genre 15 minutes avec elle. Bonjour, ça va bien? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, c'est un service qui est très apprécié. J'ai travaillé dans les statistiques tantôt. Je pense qu'on a 40 bénévoles présentement qui font des appels. Wow. De mémoire, là, mais regarde, mais tu sais, c'est pas long. Tu peux le faire de chez toi. Tu prends le téléphone puis tu seras une personne heureuse. Ça brise l'isolement d'une certaine manière. Effectivement. La plupart de la clientèle est aînée, mais il y a des plus jeunes aussi qui ont besoin d'un petit coup de téléphone. Puis les bonjour, bonsoir quotidien, mais c'est un appel le matin et le soir pour s'assurer que la personne est là. Et donc, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, parce qu'on le voit beaucoup dans l'actualité quand même dernièrement, qu'on dit qu'on manque de bénévoles, on manque de relais un petit peu. Je pense à certains festivals, entre autres, ou d'autres événements, d'autres activités. Donc, si vous entendez ça puis vous dites, moi, j'aimerais ça être bénévole, mais je ne sais pas comment faire pour m'impliquer, bien, ces gens-là peuvent vous contacter. Effectivement, puis ils peuvent avoir une idée en tête. Genre, je veux m'impliquer dans le Festival du Bleu, mais je ne sais pas qui contacter. Donc, les gens peuvent venir nous voir. Puis on va les mettre en contact. Peut-être qu'on va faire une pré-entrevue avec la personne pour voir ses intérêts, ses attitudes. Peut-être qu'on va ouvrir un petit peu plus à d'autres choses, mais on va la jumeler avec ce qui l'intéresse. Ça va être... Des fois, c'est plus facile quand il y a quelqu'un qui fait un premier coup de téléphone. Voilà. Parce qu'on a besoin plus que jamais de nos bénévoles. Mais tantôt, on parlait de la pandémie. C'est une des premières annonces que le ministre a fait. Il a demandé des gens bénévoles pour faire toutes sortes de choses. Il y avait des commissions, il y avait des activités d'animation dans les résidences extérieures.
il y a eu plein de choses de faire. Et vraiment, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez les former aussi, ces bénévoles-là. C'est un service que vous offrez s'ils en ont besoin dans n'importe quelle sphère. Ou... Exactement. C'est sûr qu'il y a les ententes de confidentialité, les politiques d'alcool, etc. Donc, un bénévole qui est filtré par nous devrait normalement être... Ça couche. Bien, merveilleux. Et d'ailleurs, parlant de formation, bien, on va laisser la place à Nadia Dallaire qui va nous en dire plus. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue nous parler de ça. Toujours très intéressant. Puis évidemment, ceux qui veulent en savoir plus, là, vous êtes bien équipés en matière de site web, page Facebook. Vous êtes très facile à rejoindre. Alors, on reçoit maintenant notre deuxième invitée aujourd'hui, Nadia Dallaire. Bonjour! Allô! Alors, Nadia, tu es formatrice et consultante budgétaire et tu pourras nous en dire plus, en fait, sur les nombreuses formations que vous offrez. Oui, dans le fond, au service budgétaire, on offre vraiment plusieurs formations. On a, entre autres, notre programme « Mes finances, mes choix ». C'est un programme qui est dédié aux 16 à 25 ans. Donc, ce programme-là est vraiment destiné à faire de l'éducation financière pour nos jeunes. Donc, on va vraiment miser sur la consommation réfléchie et responsable, dans le fond. Puis, il y a différents sujets comme le budget. On va faire, mettons, appartement, c'est quoi les choix qui s'offrent à nous et tout ça. Puis, ce qui est intéressant pour ça, c'est des ateliers de 2 heures qui sont vraiment dynamiques, interactifs. Puis le but, c'est vraiment de faire réfléchir nos jeunes sur les différents sujets qu'ils vont pouvoir choisir. On a une panoplie de 17 sujets qui sont offerts. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir, faire affaire avec divers organismes. On peut aller dans les écoles, on peut aller dans les organismes communautaires pour offrir ce beau service. Donc on peut former des groupes là, de jeunes qui vont vraiment faire, qui vont pouvoir participer à ces ateliers-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on les fait réfléchir, on les fait participer par des jeux, par des questions, des quiz. Ça fait que c'est vraiment super intéressant comme programme. Et c'est un programme là, qui est monté, on a été formé pour offrir ce programme-là. Donc, mes finances, mes choix. Et est-ce que ça doit absolument passer par une école ou un jeune que ça intéresse peut s'inscrire d'une autre manière? Un jeune que ça intéresse pourrait s'inscrire d'une autre manière. Nous, on passe beaucoup par notre page Facebook à nous. Okay. Puis aussi, on passe par l'exemple, si je vais faire affaire à Maison de la famille par ensemble, on va le mettre aussi sur leur page Facebook. Donc, les gens peuvent appeler pour s'inscrire. Puis, en tant que COVID, c'est certain que les ateliers vont être offerts plus de façon virtuelle. Ça fait que dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie un lien là, quand ils s'inscrivent pour participer à l'activité. Et ça ressemble à quoi un peu les problématiques des jeunes? Si on parlait de dépenser de manière responsable, par exemple? Oui. Bien, ça peut ressembler à, est-ce que je veux m'acheter une nouvelle voiture? Est-ce que j'ai le budget pour m'acheter une nouvelle voiture? Ça peut aussi être, on peut parler de surendettement. Donc, est-ce que je dois avoir une carte de crédit? Sinon, quelle carte de crédit je vais choisir et tout ça. Ça fait qu'on va parler... Il y a justement un de nos thèmes qui est le surendettement. Okay. On va les faire réfléchir par rapport à ça. Est-ce qu'on parle d'intérêt simple ou d'intérêt composé? Ça fait que c'est vraiment de les outiller puis de les faire réfléchir sur leur consommation. C'est vraiment intéressant. Ben oui, parce que même là, tu m'en parles, puis même moi, je suis pas sûre que je sais ce que c'est. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement à l'école, même avec nos parents, ça dépend. Exactement. Ça fait que, tu sais, des fois, on a un bon modèle, mais des fois, on peut avoir des parents qui mettent des choses sur leur carte de crédit, puis ou tu sais, qu'on n'a juste pas pris le temps d'en parler avec nos parents. Donc oui, ça peut être... Puis nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on va amener vraiment des sujets. Si on parle de l'alimentation, on va leur amener des trucs concrets pour venir dire, comment tu peux économiser sur ta facture d'épicerie. Puis on le sait, avec l'augmentation des prix du coût de l'épicerie, ça peut être super pertinent. Tout à fait. C'est vraiment les 17 sujets, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que si on fait affaire avec un organisme, on va regarder avec eux autres, c'est quoi les sujets d'intérêt, qu'est-ce qui peut intéresser le plus, parce qu'on ne fait pas les 17 ateliers.
mais ça permet d'aller choisir les sujets là, qui vont interpeller le plus les jeunes. Là, on parle beaucoup des jeunes, mais vous donnez des ateliers à plein d'autres mondes aussi. Oui, c'est ça exactement. Là, ce programme-là est fait pour les 16-25 ans, mais pour l'ensemble de la population, on offre aussi des ateliers sur le budget. On peut même offrir des ateliers de renseignement sur les rapports d'impôts, sur pourquoi faire son rapport d'impôts et aussi comprendre le rapport d'impôts. Ça peut être un atelier super intéressant aussi. On a sur l'alimentation aussi qui va être offert à toute la population aussi, là, sur des trucs pour économiser sur l'alimentation. On a aussi, si je regarde là, on a justement sur le crédit, la surendettement. On a sur les documents légaux aussi, ça c'est vraiment super intéressant. Tu sais, un mandat d'inaptitude, un testament, puis on va donner tout ce qui est relatif là, à ces termes-là, qui souvent on ne s'y connaît pas tant que ça. Puis c'est ça, ça fait qu'on va venir démystifier tout ça, c'est vraiment super intéressant. Puis sur l'importance aussi de prendre en charge ces documents légaux là. Est-ce qu'il y a un coût d'inscription à vos ateliers? La plupart de nos ateliers sont gratuits. OK. Donc c'est ça, c'est vraiment faire gratuitement à la population. Puis c'est ça pour... Vous les faites à l'année? On les fait à l'année, on les fait sur demande aussi. Donc, si on avait une demande d'un autre organisme qui voudrait avoir un sujet plus en particulier, on pourrait là, développer certains sujets là, aux besoins là, pour quelque chose de plus pointu. Là, c'est quelque chose qui est possible aussi. Mais c'est sûr que là, présentement, comme les rapports d'impôts arrivent à grands pas, bien, c'est sûr qu'on va essayer de justement d'aller mousser ce sujet-là pour pouvoir intéresser les gens. Tout à fait. Puis, tu sais, il n'y a pas de honte à ne pas savoir ce que c'est ou à avoir des questions parce que c'est compliqué quand même, les finances. Oui, c'est ça. Puis, il n'est jamais trop tôt pour commencer à faire un budget. Ça fait que moi, je pense que juste. Moi, je suis nouvellement pour le service budgétaire. Puis, j'en apprends à tous les fois que je vais travailler là, sur des petits points techniques. Ça fait que le service budgétaire a vraiment une belle expertise à ce niveau-là. Oui, parce que des fois, c'est juste une réflexion à comment je dépense, tu sais, avec Internet. Puis là, ces temps-ci, on est beaucoup à la maison, c'est facile d'aller acheter. Oui, d'ailleurs, tu m'amènes sur un point qu'on a justement développé un atelier sur l'achat en ligne, la sécurité aussi, comment le faire de façon sécuritaire. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant pour ces activités-là. Très chouette. Et écoute, il y a aussi le Centre d'action bénévole là, qui a différentes activités dont tu voulais nous parler aussi. Oui, c'est ça. Le Centre d'action bénévole offre aussi des formations à ses bénévoles et aussi des ateliers de formation pour la population en général qui s'intéresse au bénévolat. Ça fait que ça, c'est super intéressant aussi. On a un volet qui est d'informer là, sur le bénévolat, les responsabilités, qu'est-ce que ça peut donner de devenir bénévole, tu sais, c'est vraiment de faire la promotion du bénévolat. Fait que ça, c'est pour l'ensemble de la population. Mm-hmm. Et on a un volet aussi plus pour intéresser les jeunes. Fait que, tu sais, pour aller chercher notre jeune relais, ben, tu sais, on va avoir un atelier qui va être encore plus spécifique à ces jeunes-là pour essayer justement de voir c'est quoi leur intérêt pour le bénévolat, puis qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur vie. Au quotidien là, de faire du bénévolat parce qu'on sait que ça peut amener une belle valorisation pour on peut être riche là, à faire du bénévolat. Mm-hmm. Puis, on a aussi des ateliers de formation plus spécifiques à certains types de bénévolat. Quand Sarah vous parlait du bonjour, bonsoir quotidien, bien, il y a une formation spécifique offerte à ces bénévoles-là qui vont offrir du soutien justement pour venir les outiller, pour venir les intéresser là, à le faire puis à bien le faire aussi. Ça fait que c'est que c'est quand même encadré, là. T'sais, c'est sûr, quelqu'un qui veut faire du bénévolat, on va l'encadrer là, oui, dans tout c'est ça, pour c'est que ça soit fait aussi d'une manière peut-être uniforme de bénévolat à l'autre. C'est ça. Ça va être encadré. Puis, tu sais, les intervenantes sont vraiment là pour accompagner aussi la personne qui veut faire du bénévolat. Puis qui va, tu sais, on fait beaucoup de références aussi à d'autres organismes. Fait que, tu sais, on va y aller vraiment selon l'intérêt de la personne qui veut être bénévole. Ça fait que oui, c'est vraiment un beau service. Puis, ils ont un beau soutien là, pour... Pour ça. Ça ressemble à quoi un peu votre clientèle pour ces formations-là, tu sais, si on parle en moyenne d'âge? Bien, je pourrais dire que la moyenne d'âge peut varier. Moi, je croirais que ce serait peut-être
plus les personnes un peu plus âgées, mais tu sais, mm-hmm. on tend à avoir quand même des jeunes bénévoles. Là. Ça fait que c'est vraiment, là, des fois, on va référer des étudiants. Okay. Pour à d'autres organismes communautaires. Ça fait que, je pense que c'est super varié. Là. On peut penser que c'est juste les personnes retraitées ouais. qui font du bénévolat, mais non, moi, je pense que c'est vraiment toute la gamme d'âge là, et de personnes qui s'impliquent. Puis ça ressemble à quoi, les implications bénévoles chez les jeunes? Chez les jeunes, je te dirais que je serais pas... Ben, tu sais, ça va être beaucoup référé à d'autres organismes communautaires. Okay. On a souvent des étudiants aussi qui vont venir nous voir, soit pour le programme PEI là, à Saint-Félicien, qui vont venir nous voir pour dire, ben nous, on aimerait ça faire du bénévolat. Connaissez-vous un organisme? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre communauté? Fait que c'est ça. Pour le moment, je pense que ça ressemble à ça. Et selon leur goût et leurs intérêts, vous ouais. allez les référer, là. C'est ça. Puis, tu sais, on a un lien quand même avec les organismes du milieu, là, pour savoir, eux, c'est quoi leurs besoins en bénévolat. Ça fait que, tu sais, on va quand même avoir un lien avec les deux, puis essayer de faire des références qui sont vraiment, là, ciblées, là. Autant pour l'organisme qui va recevoir ces bénévoles-là, pour s'assurer que la personne qu'on va leur envoyer convient, puis autant que... De l'autre côté, que l'organisme convient aux bénévoles aussi. Mmh. Là. Fait que c'est un peu des deux côtés. Super. Et là, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui se demandent comment on peut vous rejoindre, comment on peut s'inscrire à vos formations et tout ça, comment ça fonctionne? Oui. Mais en fait, on a d'abord et avant tout le téléphone qui est toujours accessible. Oui. Donc, notre numéro de téléphone, c'est le 276-1211. Donc, 276-1211. Sinon, on a une page Facebook pour le Centre d'action bénévole, donc Centre d'action bénévole Maria-Chapdelaine, et on a aussi Service budgétaire Maria-Chapdelaine. Aussi, on a une page Facebook aussi à ce niveau-là, et on a toujours nos sites Internet, bien sûr, du même nom. Qui sont très bien faits, très oui. complets, qui ont été refaits à neuf là, il n'y a pas longtemps. Exactement. Fait qu'ils sont super beaux, ils sont super dynamiques, puis c'est ça. Puis ce qui est intéressant avec notre page Facebook du service budgétaire, c'est qu'on va mettre des « saviez-vous que », on va donner de l'information sur Mouvement Action Chômage, on va donner plein d'informations utiles sur les rapports d'impôts, les nouveaux crédits. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de venir aimer notre page pour avoir accès à plein d'informations utiles là, sur plein de sujets d'intérêt. Bien, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Nadia. Bien, ça me fait plaisir. Et on envoie les gens là, sur vos pages. N'hésitez pas à aller chercher plus d'informations. Et c'est ce qui conclut notre émission sur le service budgétaire et le Centre d'action bénévole de Maria-Chapdelaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre accès. Merci.